Allez, bon. Non Francis, comment il est? Tranquille. Tranquille. Tu peux nous dire ce que tu prépares là? Oui, je prépare les championnats du monde de MMA amateur. Donc sous la FILA. D'accord. Donc tu as déjà tiré pour la FILA, c'était au mois de février. Tu as gagné le Grand Prix à Genève. Oui. Pour toi c'était une étape importante ou pas? Ben, c'était une première, et puis ouais, j'ai bien aimé l'aventure. Et je suis content que ça se poursuive un petit peu dans cette organisation. D'accord, le fait justement d'être sélectionné en équipe de France pour ces championnats du monde, c'est quoi? C'est une chance de pouvoir participer à ce genre d'événement. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir y participer à ce stage-là. Je sais pas si je pourrais en faire d'autres. Donc c'est excellent, quoi. C'est une belle aventure qui s'annonce. Et le fait d'être le seul Réunionnais sélectionné, ça apporte un petit plus pour toi ou pas? Pour présenter ton île. Bah forcément, oui, j'en suis assez fier. Mais en même temps, ça met une envie de bien faire, donc il y a une petite pression aussi de ne pas décevoir. À Genève, t'as déjà testé un client de la KT, c'était le vice-champion du monde ukrainien. Tu l'as battu, est-ce que pour toi c'est un petit repère intéressant? Bah j'ai vu que bon, il y avait quand même pas mal de clients. Et si je suis amené à le reprendre, bah, ce sera dur, mais il faudra y aller, quoi. D'accord. S'il y a des jeunes qui te regardent, là, qui aimeraient bien démarrer le MMA, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Bah, c'est rigueur, l'entraînement, assiduité, puis persévérer, ça vient pas forcément tout de suite, en fonction des habiletés de chacun. Mais avec le travail, ça finit par payer, quoi.